Ce matin, pour le groupe de retraités, c'est séance de stretching postural. Les tapis en place, ils vont pouvoir adopter des postures pour étirer leurs muscles profonds et posturaux, notamment ceux du dos. On met en place les positions comme si vous mettiez des couches les unes après les autres. Toujours en respect de nos chaînes musculaires, en respect de nos articulations. Donc petit à petit, on monte en puissance. Atteinte d'une maladie génétique qui bloque les articulations, Sylviane vient depuis quelques temps au cours de stretching sur les conseils de son kinésithérapeute. C'est pas évident, mais moi je trouve que ça, enfin moi personnellement, je sais que ça me fait du bien, même si il y en a certaines postures, je souffre un peu. Allez-y. Dans les poussées, c'est l'infini. Allez-y encore. Un effort intense et bref qui s'adapte à tous les âges. Pour préparer une compétition de sport, pour se détendre ou pour soigner des maladies, comme Dominique qui souffre d'arthrose, mais qui vient essentiellement pour son bien-être physique et moral. Visuellement, c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte de ce que l'on peut ressentir. De par la posture, parfois, on a déjà un certain travail. Ensuite, il y a la mobilisation, la durée qui est quand même relativement courte. On est soutenu aussi par la petite respiration, qui est très spécifique au stretching postural. Un sport qui sert à évacuer les tensions et retrouver une harmonie corporelle pour appréhender l'année tout en douceur.